quelle chaleur. Eh, franchement, là, j'ai coupé le ventilo juste pour vous. Mais on va faire cette vidéo assez rapidement. Hey là, ma team, c'est Majo. Et aujourd'hui, on va parler du fait d'être moche. Enfin, c'est un mix entre les deux. Être moche et se sentir moche, ok? T'as compris ce que je veux dire? Si t'as pas compris, c'est que tu m'aimes pas, tout simplement. Parce que je suis un mec très sympa en vrai. C'est parti. Tu sais quoi, on va commencer par le réveil. Tout d'abord, être moche, c'est se réveiller. Aller devant son miroir. Et aller se recoucher parce que là, ça va pas. Je te jure, quand tu te lèves, tu te sens comme ça. Ah. Belle journée. Jusqu'à ce que tu arrives devant le miroir et que tu vois ça. C'est qui lui? Être moche, c'est aller en double rendez-vous ou être présenté par ton pote à une fille et entendre cette phrase. Ouais, alors Léana, je te présente John. John, Léana, voilà. Ah, c'est lui ton pote? Laissez-moi vous dire tout simplement que ah, c'est lui, c'est je ne m'attendais pas à avoir une lettre pareille. Est-ce vraiment cette personne? Confirme-le-moi, parce que là, je vais me casser. Ah, c'est lui ton pote. Oui, c'est moi! Être moche, c'est poser cette fameuse question. Tu me trouves comment? Et avoir comme réponse une phrase tout aussi connue qui est. Voilà. Si tu n'as pas pu finir ma phrase, t'es un sacré vénard. Allez, je te dis la phrase. La phrase, c'est. Je te trouve gentil. Gentil, je te demande. Comment tu me trouves physiquement? Tu l'as très bien compris. Comment tu trouves? Je sais pas, mon nez, ma bouche, mes yeux. Toi, tu me donnes une caractéristique au niveau de ma personnalité. Et encore, ça, c'est quand la personne ne veut pas te brusquer. Sinon, elle va te dire tout simplement, t'es wow. Quand t'es moche et qu'il y a le jeu action ou vérité, ou le jeu de la bouteille, il y a une petite pression. C'est pas drôle, ok? Pourquoi? Parce que ils veulent jouer avec tout le monde, sauf toi. Tu sais quoi, je vais pas trop parler, je vais te donner un exemple. Hey, deux égards, action ou vérité? Tu me connais, action. Ah ouais, vas-y, chaud. Alors, fais un smack à John. Moi? Ah non, comme ça, t'avais dit quoi? Allez, là, allez, t'avais dit t'es pris, vas-y. Non, ah, moi c'est vérité. Genre, t'avais dit non, t'as dit action. Je veux pas. Être moche, c'est prendre plus de 1000 photos et n'en valider aucune parce que tu te sens pas bien. T'apprécies pas ton visage. D'ailleurs, c'est vraiment bizarre. Tu sais, il y a des jours où tu te sens bien quand même. Tu te sens un peu plus frais que d'habitude. Et quand tu te regardes dans le miroir, là, ça coopère. Et puis, tu checkes la caméra de ton phone. C'est qui lui? Être moche, c'est envoyer un DM. Puis un autre DM. Puis un autre DM. Et la personne n'a toujours pas répondu alors que tu peux voir qu'elle est en ligne. Tu vois, il y a le petit bouton vert, tu vois, elle te voit, elle voit que tu vois, elle sait que tu sais. Tu sais à quel point tu te sens vilain lorsque la personne ne te respecte même pas assez, ne respecte pas assez ton visage pour te dire quelque chose du style, t'es pas mon style, juste dis-moi quelque chose. Ou peut-être que la personne est en couple aussi, c'est possible, tu vois. La personne peut être en couple, je parle mal, il y a plein de facteurs. Mais là, on fait cette vidéo-là, alors... Ben, je fais ce que je veux. Être moche, c'est se retrouver comme ça lorsqu'il y a une session zouk, à une soirée ou une session où il faut danser à deux, wine, peu importe. Bonjour, non, je veux pas danser avec toi. C'est mort, c'est mort. Être moche, c'est avoir la pression à la session van, là où tout le monde se vanne, tout le monde blague et que t'es obligé de ne pas te relâcher, sinon tu vas prendre cher. Même quand tu te mêles de ton business, tu vas prendre cher. Du coup, aujourd'hui, t'étais trop gay. Rien à porter. Oh là là, c'était vilain, c'est pas possible. Ah, mais John, pourquoi tu rigoles? On parle de vilain là, toi, tu te sens bien, t'es à l'aise là. La vérité, t'es longue. Pourquoi tu me clashes moi? C'est lui qui t'a clashé. Ah. Ah, ça va, c'est pour rire, allez, arrête de faire le mec susceptible. Ouais, grave, grave. Mais en vrai, c'est vrai, t'es moche. Ah, donc là, vous m'attaquez que moi, quoi. Petite chose à savoir aussi, quand t'es moche, rien n'est gratuit. Bonjour, excusez-moi, il me manque 5 euros, je suis vraiment désolé, je... Ah, mais non, c'est pas grave, vous pouvez passer, vous inquiétez pas, c'est pas grave. C'est gentil. Bonjour monsieur, je suis vraiment désolé mais j'ai plus assez, il me reste non, genre non, quelque j'en ai chose marre des comme gens comme ça, centimes, j'en ai marre des gens centimes. Comme ça, c'est quoi? Est-ce que c'est possible hein? de... Vous savez pas vous en sortir dans la vie? Vous savez pas combien mais l'autre ça coûte? Tout à l'heure, 5 euros quand même. C'est 5 euros, c'est pas dur, rien. Hein, ici, c'est si dur vous la me dites vie. Ça à moi comme ça, 5 ah là, euros, c'est c'est ton pas problème. rien. Eh, c'est quoi, t'es moche, voilà la raison, t'es non, moche. Non mais vous commencez moche, aussi à... Et une dernière chose, être moche, ça n'existe pas. Je suis sûr que... Que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, tu dois être une personne formidable. Enfin, si t'es abonné à ma chaîne. Si t'es pas abonné à ma chaîne... Bref, voilà, c'est la fin de la vidéo. Si t'as aimé la vidéo, like. Si t'as pas aimé la vidéo, t'es moche. Non, je déconne. N'oublie pas de liker, partager, t'abonner. Si t'es déjà abonné, n'oublie pas d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir des notifs dès que je sors une nouvelle vidéo. Follow-moi sur Instagram, 21 Buttons, Twitter, sur tous les réseaux. Ce sera dans la barre de description. Et ouais... Je pense que c'est tout pour moi. Peace.